On accueille Claude et Jos pour Côté Roulotte. Écoutez là. Particulier. Jos est venue toute seule. Bon. Alors, c'est un peu bizarre alors. Oui, je pouvais pas m'imaginer faire cette chronique sans ma Claude. Oui. Donc j'ai décidé de l'amener sur une tablette. Mais vous inquiétez pas, hein, elle parle tout autant, même à travers un dispositif. Donc on sera pas embêté à ce sujet. Tu nous entends, Claude ? Je vous entends ! Bon, par contre, elle vit un peu sa vie, là. Je sais pas trop d'ailleurs ce qu'elle fait. En train de se faire à manger ? Oui, sûrement, il y a sa petite popote du soir. Mais bon. Alors, du coup, ouais, on parle de Day by Day aujourd'hui ? Day by Day, effectivement. Première chronique. Première chronique, qui est en fait une épicerie en vrac. Je pense qu'on va déjà regarder les images. Et puis, on Très bien, parle on après. Regarde. Je rejoins la Claude, j'espère. Elle est encore à la bourre, j'espère vraiment qu'elle est de bonne humeur. Comment tu vas, petite Claude ? Ça va et toi ? Ça va ? Donc ouais. Claude, alors où est-ce que tu m'amènes ? Alors aujourd'hui on va chez Day by Day, qui est un magasin Day by Day. Parce que pour les gens qui mangent pas de gluten. Dis donc, t'as recette à manucure, Claude. Ouais. C'est pas intéressant ce que tu dis. Non, mais pour les gens qui mangent pas de gluten, c'est. Ah oui, il y a aussi sans gluten. Coup, ouais. Parce que du coup, bah, les poutres, tous ces trucs-là, c'est vraiment pas mal. Alors que ça, c'est vrai que c'est plus difficile à trouver quand même. En grande surface. Ici, hein. Ouais. Tu prends quoi, là ? Les légumes, j'adore les légumes. On me dit toujours, hein. 2 secondes dans la bouche, 2 ans sur les fesses. Day by Day. Alors, c'est la Claude hein, qui m'a amené là-bas. Ouais. Claude, est-ce que tu te sentirais capable de nous... Ah. On a perdu la connexion à ce moment-là. Claude, est-ce que tu te sentirais capable là, de nous expliquer un peu là, ce qu'on a vu, donc notre épicerie en vrac ? Oui, carrément. Alors, Day by Day, donc, du coup, c'est une épicerie en vrac qui a Reims, place du Forum. Et du coup, le but, c'est vraiment dans une démarche responsable d'acheter que ce dont on a besoin. Et vous avez interrogé, du coup, forcément, la gérante. Et du coup, on a interviewé la gérante du magasin qui nous explique justement la démarche et comment elle voit le fonctionnement de cette entreprise. On regarde ça, du coup. Alors, le concept, c'est qu'ici, on achète sans emballage. C'est-à-dire que vous pouvez soit venir avec vos propres contenants, donc des bocaux, des boîtes, des sacs. Vous prenez uniquement la quantité que vous voulez. Et tout est pesé ensuite à la fin. Après, alors, 30% de la gamme est bio. Ensuite, on est essentiellement sur des produits français et des produits de bonne qualité. On arrive ici avec un concept qui est nouveau. Ça bouscule un petit peu les habitudes. C'est ça, c'est beaucoup plus agréable de faire ses courses ici. Ouais, ouais. Et pour des produits de qualité comparable, ici, c'est moins cher de 5 à 30% par rapport à la grande surface. Comme nous l'explique la gérante, hein, elle se voit plus du tout aller en grande surface pour aller faire ses courses. Elle ne le fait plus du tout d'ailleurs, et c'est aussi le but. Et même d'un point de vue le lieu, c'est vrai que c'est beaucoup plus agréable. Bref, c'est un magasin qu'on conseille plus cosy, et c'est vraiment un magasin qu'on conseille avec la Claude plutôt que d'aller se réfugier dans les grandes surfaces. Très bien. Acheter ses produits là-bas. Juste en bas de l'écran, le site internet s'affiche. Ça, vous pouvez aller checker.